Mesdames et messieurs, amis de M, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre magazine culturel C'est Montréal. Aujourd'hui, je vous invite au lancement d'un très beau magazine qui s'appelle CITA, miroir, Montréal, miroir du monde, qui voit le jour aujourd'hui ici à Montréal. Et j'ai le plaisir de rencontrer l'éditrice du magazine, Lia Jean-Maugin. Lia, bonjour et bienvenue sur MTélé. Merci. Alors, c'est un grand jour pour vous. Oui, beaucoup de préparation, beaucoup de stress. Le magazine et l'exposition qui va avec, alors c'est exactement. Pour ça. Mm-hmm. Alors, une très belle ambiance ce soir, donc du bon monde et tout le monde apprécie la qualité. Et, alors, d'où vous vient l'idée et combien de temps ça vous a pris pour préparer ce numéro? Alors, ça m'a pris environ 4 mois pour préparer le numéro que vous avez dans les mains. Et en fait, donc chaque numéro de CITA se penche sur un portrait croisé Montréal et une autre ville. Alors, le choix des villes se fait de façon... Aléatoire? Non, pas aléatoire. Pas tellement innocente. Non, parce que c'est sûr que je réfléchis beaucoup à l'actualité, mais aussi à ce qui ne se fait pas, ce qui ne se dit pas. Donc, Casablanca, c'est une ville dont on ne parle pas beaucoup. Oui, justement, parce que je signale que le numéro 1 donc, propose un parallèle entre Montréal et Casablanca. Justement, alors pourquoi Casablanca? Alors, pourquoi Casablanca? Eh bien, je me suis dit, on parle beaucoup de la Méditerranée cette année avec Marseille, capitale de la culture européenne. C'est ma ville natale aussi. Je me suis dit, bon, tout le monde en parle, alors je ne vais pas aller là. Je vais rester en Méditerranée et je vais parler du Maghreb parce que le Maroc, c'est un peu le grand oublié des révolutions arabes. Et puis, c'est un pays qui est extrêmement riche et on a une grosse communauté maghrébine à Montréal, mais on n'en parle pas souvent, peut-être qu'on la connaît peu. Alors, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est une ville qui me tient à cœur, d'autant plus que c'est la ville natale de mon père, qui est photographe et qui apparaît dans le magazine à travers le portrait croisé photographique. Et c'est important pour moi de lancer ce numéro 1 avec une sorte d'hommage, en fait, à mon héritage personnel aussi. Très bien. Alors, avant de continuer notre conversation, oui, J'invite nos web spectateurs à jeter un coup d'œil un peu sur le contenu et surtout sur les belles images du Maroc et de Casablanca en particulier qui meublent les pages de ce premier numéro de CITA. Vraiment un très beau contenu, bien consistant et qui dégage vraiment de la passion. Alors parle-nous un peu de l'équipe qui a veillé à la réalisation de ce premier numéro. Alors on a une petite équipe à Montréal, donc il y a moi-même, notre graphiste Anne-Marie Larocque, l'organisatrice de l'événement Anaïs Camillienne, et on a tous les bénévoles qui sont ici. Donc l'équipe éditoriale, disons qu'elle est... On est peut-être 2-3 personnes en tout. Et après, on a des collaborateurs qui changent à chaque fois, à chaque numéro. Donc, on a des collaborateurs locaux qui sont dans la ville dont on parle à l'international et que je contacte à l'avance. Il y a vraiment toute une relation qui se construit. Ce sont des artistes, ce sont des journalistes, ce sont des fois des gens qui ne sont ni dans l'un ni dans l'autre, mais qui souhaitent parler de leur ville. Alors, c'est l'occasion pour eux de vraiment parler de leur ville telle qu'ils la connaissent, telle qu'ils l'aiment, les problèmes qui y sont ou les choses qui sont à découvrir pour des Montréalais ici. Et puis nous ici, ce qu'on fait, c'est on fait toujours une réponse à la ville qui est là-bas, donc une réponse photographique en l'occurrence. Donc on a invité le photographe Charles-Frédéric Wallet à faire une réponse dans le Petit Maghreb, ici à Montréal. Et le reste du contenu donc, s'écrit ici, autour de Casablanca et plus largement aussi le Maroc. On a une designer de Rabat, Myriam Mourabi, donc voilà. Alors, qu'est-ce que permet ce genre de parallèle entre deux métropoles carrément de l'autre côté du monde et par rapport à Montréal?
Est-ce que ça nous permet d'apprécier mieux Montréal éventuellement? Oui, de mieux l'apprécier, de mieux comprendre aussi qui la compose finalement, parce que Montréal c'est une métropole multiculturelle et c'est ce qui fait son identité aussi. Et notre accroche c'est Montréal, miroir du monde, et ça fait vraiment référence au fait que quand on voit quelque chose de différent, on peut avoir un regard sur soi aussi, exactement. Et sur autrui aussi. Et sur autrui, exactement, parce que je présente toujours le projet aussi comme un regard neuf sur le multiculturalisme. Parce que l'ailleurs, c'est pas forcément là-bas, mais c'est aussi ici. On veut internationaliser Montréal, mais on peut aussi regarder ce qu'on a ici. Et la différence, elle est là, elle est concrète, elle est proche. Et le magazine essaie justement de faire découvrir cet aspect-là. Très bien. Alors, dernier aspect, comment nos web spectateurs peuvent trouver votre magazine? Est-ce qu'il y a un site web? Est-ce qu'il y a moyen de faire un abonnement? Comment ça se passe? Alors, notre site web, c'est citamagazine.ca. Au courant des prochaines semaines, donc les points de vente vont être affichés. Donc, on a des points de vente qui sont des boutiques de magazines. On a aussi des boutiques qui sont de vêtements d'autres partenaires. Donc, il est distribué à Montréal. Et puis, le PDF, la version PDF du magazine est disponible sur le site. Il n'y a pas d'abonnement pour l'instant, c'est vraiment des achats dans les points de vente et le visionnement en ligne. Donc j'invite tout le monde à vraiment aller voir le site où il y a toutes les informations qui tournent autour de l'achat et de la visualisation du magazine. Super. Alors Lia, vraiment je vous félicite, c'est un excellent magazine, vraiment d'une très bonne facture, des photos de très grande qualité. C'est un voyage en fait, c'est un voyage à Casablanca, et dans d'autres numéros, ce sera un autre voyage. Le prochain, ce sera vers le Mexique. Exactement, c'est Mexico. Exactement. Donc voilà, un beau voyage aussi en perspective. Et Lia, je te propose, et je propose à nos spectateurs également, de se quitter sur quelques séquences de cette belle ambiance de ce lancement très bien réussi ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors sur ce, je vous dis à bientôt pour un autre numéro de votre magazine culturel C'est Montréal, toujours sur ntélé.ca. Magazine Cita, et j'ai le plaisir de rencontrer monsieur Mamoun Belriti, qui est artiste peintre originaire de Casablanca et qui expose ici ce soir, et qui fait partie aussi des sujets de ce beau magazine qui est lancé ce soir. C'est Mamoun, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre exposition? Oui, ben ça c'est une série de peintures que j'ai travaillé quand j'étais à Vancouver. Okay. Et donc je venais d'arriver du Maroc, et donc je voulais associer les couleurs chatoyantes du Maroc la grisaille de Vancouver. Ah, okay. Parce qu'il pleut tout le temps. Je comprends là. Est-ce que c'est Casablanca ou est-ce un mélange entre... Écoutez, chaque personne qui voit mes toiles me dit c'est San Francisco, une autre fois me dit c'est New York, d'autres disent c'est Montréal, d'autres disent... Mais c'est, mais c'est la cité universitaire. C'est la cité, ouais. c'est la ville dense, concentrée, okay. Où il n'y a pas de végétation, où il n'y a plus d'espace. Et donc, au lieu de laisser les choses bétonnées et grises... Mettez de la couleur. Je mets de la couleur, exactement. Ouais. Exactement. Alors, je mets de la vie à la ville. Exactement. Et comment vous trouvez, il y a un très beau article là-dedans que je vais lire. Mais déjà, les photos, comme vous le voyez, c'est très beau. Alors, vous avez d'autres sur la page. Tout à fait. Et puis, comment trouver cette idée de magazine là qui fait la parallèle pour ce premier numéro de Casablanca? C'est
Montréal. C'est une idée géniale. La communauté marocaine à Montréal est très importante et je trouve que c'est un très beau témoignage pour cette communauté marocaine, sachant que la ville de Casablanca est une ville très dense qui se développe de plus en plus, et la ville de Montréal peut être un très bon comparatif avec cette ville de Casablanca, et donc je trouve que ce lien est extraordinaire. Super. Alors, pour moi c'est une aubaine parce que je suis, le cœur est partagé entre les deux, donc c'est bien. On s'embarrasse pas là de d'aimer les deux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de polygamie dans ce genre de choses. Voilà, alors, je propose à nos web spectateurs de voir un peu quelques toiles. C'est vraiment très beau, très coloré, très structuré, très bien pensé. Donc, des toiles de signé Monsieur Mamoun Abdelrissi. Ce beau magazine Cita, quelle est votre première impression? J'aime beaucoup le magazine, ça nous permet de vraiment voyager au Maroc sans y aller en fait. Comment vous avez trouvé à travers l'image, comment vous trouvez le Maroc? Ouais, vraiment, il y a de tout, il y a toute la culture du Maroc qui est dedans. Ça vous donne envie d'y aller? Ouais. Super. Et pour vous? Les photos sont vraiment belles, à chaque page on voit vraiment quelque chose de différent, c'est vraiment beau. Et vous m'avez dit que vous avez participé là-dedans en tant que mannequin. Comment ça s'est passé? Ouais, c'était vraiment cool. C'était au marché Jean Talon. On a fait tout plein d'affaires. C'était vraiment, vraiment le fun. Ouais, vraiment belle équipe aussi. Belle expérience. Ouais, vraiment. Rouaina, toi qui es d'origine égyptienne, donc arabe, comment tu trouves le sujet sur le Maroc et sur Casablanca dans ce nouveau numéro de Cita? J'ai pas eu la chance de rentrer trop dedans, mais je trouve que ce qui est intéressant vraiment, c'est de faire comme un jumelage entre deux villes pour refléter ta propre ville. Donc j'aime ça, voir c'est quoi les choses similaires mais aussi différentes entre deux villes qu'on imagine sont tellement différentes mais pas nécessairement. Donc, oui. Je trouve ça intéressant comme une approche, et ça donne une opportunité pour la réflexion en soi-même. Puis, et les images sont tellement belles. Exactement. C'est une pièce d'art, c'est clair. Exact, c'est des pièces d'art. Est-ce que tu ne penses pas qu'après Casablanca, Mexico, le Caire, c'est vraiment... Peut-être à Alexandrie, on va voir toutes les villes urbaines cosmopolitaines ont des choses à partager un entre l'autre. Okay. C'est comme ça qu'on améliore comme culture et ville, donc je trouve l'approche très bien.